boué. Donc, à cause du cac aussi, le carton-ci, le truc, c'est que si ça tombe dans la pluie, même, on ne va même pas pouvoir récupérer. Ma chaîne non plastifiée ici. Donc, on peut me rendre apatride parce qu'on m'a refusé ça. Donc, j'allais me retirer ma nationalité camerounaise à cause du PEPA. Toute mon histoire, mon existence, à cause du PEPA. Alors, venez prendre. Pour retirer ma camerounité, petit frère, il faut d'abord commencer par changer mon lieu de naissance. Pédica, il faut d'abord commencer par changer l'histoire de ma grand-mère paternelle et de mon grand-père paternel. Petit frère, ne me demandez pas ce que mon grand-père était tuté de Santa dans le village du feu, premier ministre à Chiriachou, qu'on appelle Mbé, pour aller se retrouver en fou au centre, pour épouser une coteline comme ça, avec qui ils ont accouché mon père, qui lui à son tour est quitté loin du fond du village de Mbé, se retrouver en Bafoussam, pour prendre comme ça le gozo, pimenté, grande taille costaud baraqué, qui s'appelle ma mère, belle comme le jus de fruits de morine, et l'épouser, pour ensuite créer l'individu que je suis, qui est né en plein hôpital de la caisse, en Bafoussam, chez les grands fils là-bas, chez les grands fils, les Grassfield, c'est ce que ça veut dire tout simplement. Laisser la manipulation, avec un témoin oculaire, spectaculaire, pratiquant clé, qui n'est autre que le docteur Ngorier Basseko Diop, qui est comme ça celui qui a participé à l'enlèvement, à l'extraction de cette grosse coba que vous voyez ici, du mouchoir en cou de ma mère. Il vit encore jusqu'à aujourd'hui. Population, my fans, my followers, my brothers, my family. Listen, I'll try to be very clear in what I'm trying to develop here. But I'm very sorry I would not speak this grammar thing, you understand? Because it reminds me of these foreigners and with that young. You understand? I don't want to you understand? I want to talk our own language. We all man corner for yeah. You hear no? I want to talk pidgin, demand. They were pidgin when they create for Cameroon. And they talk another Nigeria pidgin or another Ghanaian kind pidgin. And they talk about pidgin. They picking one at the CM for years so, whether they call a Motongis show. I come out from some kind family where you're about to be some kind. You understand? My papa and mommy come out for some side where they call them fool. He's there for Central Region. Then, my papa and papa come out for Santa. You know Santa? You don't know Santa, the man. Not the Santa, not the ancient prime minister in village where they call them say, Achiri Achiwe, we don't die so. Yes, my papa come out for day. Their village, then they call them say, Mbe. And I don't go there. Plenty time then, you understand? Even Achiria Chui house way there for, market way there for, up there he so, where government school there so, then Achiria Chui in town there so, then that other Achiria Chui house way there for village so, way there for that side for farm so, we go farm way there for, go carry potatoes for your head, you waka, you waka, you waka. Anyhow way there, Santa way don't reach for Bafoussam, you continue straight, you pass for Mashebe, you go fall for some small village where they call them same Buddha, that people they when they like peso, where they like for chop avoca. After that Buddha, you go fall for Babajo. Then after Baba Joe, you will not enter Santa for Matizen. As you did go up so, yes, when you don't pass Matizen, because Matizen is not target now, not payage. You go up straight, you go far now for Santa main market. Don't lo marché de Santa. For corner market so, you go up so, you go see gendarmerie. For that brigade, they don't lock me for there, because I no be getting down. Deep matter from down where they make a little come out. So now since from long time where they exist, but we no go leave that dossier. You go up now so straight, you know, you go no sooner for my 12. But before I reach my 12th, so entrance, this of your left, you go see Apostolic Church. For that entrance, so you go see Government Balingua High School Santa, so that the Lycée Bilingue de Santa. Well, I don't go school for that. I don't have a work for the country, the man. If you continue to go up, you go 4 hours over some sector where they call them, say, my 12th. For that my 12th, there's so, some separation, they went and wrote the separate village them. For this side, Nanjong, for the other side, Nambe, they sell potatoes, cabbage, all kind of anything. Life day for day. Anyhow, way day, we're not going to talk about that life way day for my 12th. Because I don't know whether that life still day, like it be day for all the pop. We did amber thing the way they happen for this. So. But I be want to tell you, say, my papa and papa come on now for day. So na Anglophone. I be Anglofufu. But if you call me Anglofufu, I be Babenda boy. I'm a Babenda boy. Then, mommy for my papa. Come out for Central Region where he didn't have a yes or where they call themselves fool. That means say, I get Betty block for inside my skin. Then my mommy and mommy come out for Banjun. Where not Bamileke? Then my mommy and Pana for someone where come out for Cheveri. Now descendant for Cheveri. Don't you see a prince? Perica, you just say, my problem now so I be Cameroon and now so I wait here. Now why that I be Ferreto? Now why that I be here to record the barism so I don't look to the so. Petit frère. Actuellement que je suis un Camerounais plein, majeur, responsable de ces faits et gestes,
Est-ce que j'avais demandé à quelqu'un de partir m'accoucher à l'hôpital de la caisse de Bafoussam? Petit frère, remontons même l'histoire jusqu'à from longtemps. Qui avait envoyé mon grand-père paternel loin en fou pour aller faire là une gala comme ça jusqu'à la Touma et ils ont accouché un Joe. Le Joe là c'est mon vieux. Lui aussi quitte loin là-bas en baie. Il monte loin sur Bafoussam. Il came taporer une gabanjoun Bafoussam de la chefferie. Une princesse. Il décide d'accoucher dans la grosse tête que vous niez devant vous aussi. Mon frère était dans les marches. C'était mon problème, petit frère. Et on fait le oué là-bas. Moi je suis né. Moi quoi dedans, petit frère? Les enfants s'y sortent même doivent le tribalisme dans les esprits. Non, mon frère, qu'est-ce qui vous arrive, petit frère? Jusqu'à ce qu'on me toque aujourd'hui, on peut même m'ouvrir le passeport. En même temps, on me m'ouvre ma nationalité, petit frère. Comment? Pour retirer ma nationalité camerounaise, il ne suffit pas de m'interdire d'avoir un chiffon qu'on appelle le passeport. Pédica, il y a les Camerounais qui naissent et qui coinchent sans jamais avoir un passeport. Il y a même les gens qui ont déjà fabriqué même 3-4 passeports pour le voyage. Pédica, ils sont toujours au marché central au fond d'un bobby. Petit frère, ils sont toujours marchés, mais en train de se chercher. Le voyage ne donne pas, petit frère. Donc tu crois que c'est un petit papier vert qui va me mouvoir ma nationalité? Petit frère, commence d'abord par changer mon lieu de naissance. Après, tu commences par changer mon histoire, mon parcours, surtout l'étendue du territoire national. Parce que petit frère, je connais mon pays. Je marche dans le Lekwasi. Perika, perika, perika. Change mon langage. Tu vois le topo que je suis? Petit frère, c'est camerounais. Même si je go où, même si je suis en Nouvelle-Zélande, au Sri Lanka, Perika, tu ne peux pas me retirer mon topo. Mon mouvement que je crée comme ça en Awake, Perika, c'est moi. Perika, donc, pour me mouvoir ma nationalité, petit frère, il ne faut pas me lancer le son. Lancez-moi plutôt l'Alzheimer. Comme ça, moi, je vous forget. Et dès que vous finissez de me lancer l'Alzheimer, vous vous lancez aussi l'Alzheimer. Parce que si je forget et que vous ne forgettez pas, petit frère, je suis toujours camerounais. Donc, pour que je ne sois plus camerounais, il faut que nous tous on forget que j'existe dans le Lekwa. Le Lekwasi. Perika, pour mouvoir ma nationalité, ça sera Dieu, petit frère. Toi-même, il y a le topo que le Lekwa m'a appris. J'ai grandi dans le topo du mouvement. All the language, tu es ici, soit dans les renafouillés. De ces angles combat. De ces angles comme là. Le lac que j'apprends là, c'est le fou, ça, petit frère. Ça vient de Bangjoum, de Baleng, de Baham, et encore de quel village là? Attends, les Badenkop parlent même comme nous, non? Les Badenkop ont les patois qui est dur. C'est trop dur, le patois des Badenkop là. Ah. Balcero, ça va aller, mon gozo. Ça va aller, le général. Je dis que, mes papis, vous n'avez pas déjà remarqué que tous les Njaka qui sont hors du Lekwa, tous les enfants à qui on a refusé la nationalité à un certain moment à cause de leurs appartenances politiques. C'est vraiment malheureux. Vous n'avez pas remarqué que le topo n'a pas de chaîne. Contrairement à nos ministres qui sont restés par derrière au Lekwa avec nous, qui font semblant comme s'ils sont tous les Camerounais. Oh, Anawe, ils ont les 14 passeports dans leur coin. Tiens, mon petit frère. Ils nous parlent comme des French. Quand un ministre te parle, tu crois que c'est un employé de Macron. Parle comme les Français. Le seul ministre au Cameroun qui parle avec le langage du Lekwa que tu peux y avoir, c'est Fonzan Kandompo. Mais il parle pour dire quoi, alors hein? Vous n'avez pas remarqué que tous les apatrides, les enfants du pays qu'on a chassés dehors, ont gardé leur originalité culturelle. Regardez Richard Bonnat. Le jour là, moi, j'aime quand il chante lui quand pas toi. C'est vrai, le français, l'anglais là, ben, il fait, oh, moi, il y a mon quand, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Petit frère, tu fais dans quoi? Quand tu écoutes d'abord le général Valsero Topo, tu confirmes que c'est un enfant qui a grandi au Lekwa. Toi-même, tu confirmes que les réels d'Ngola ont senti l'odeur du type là passer pendant longtemps. Moi, non pas si marchait à pied à l'époque, il prend le taxi ou la moto. Mais de toutes les façons, quand le type là t'explique, tu as comme l'impression que tu sacs avec lui en pleine manie en train de manger les beignets haricots bouillis au carrefour banane. Petit frère, quand tu niais le speech de Jipoué Rémi Ngono, c'est samedi noir, Joey. Peu importe le niveau de wattisage qu'il peut bien créer, tu ressens toujours ce ton d'un bon bêtis en lui. Et quand tu as regardé les vidéos d'un Ghanan, et le dimanche on avait aussi une femme du pays qui ne revient plus là. Quand le jour là, quand il te mélange ça à l'ombaganté, tu as l'impression que c'est Gabriel Nanji qui est en train de sortir une comédie sur Instagram. Oui, petit frère, pour t'enlever ta Camerounité, c'est trop dur. Les Camerounais n'ont pas leur retirer ça, c'est dur, parce que ça te colle comme la censure. J'aimerais envoyer un message très somnanen, bon, ce que vous connaissez, à tous nos dirigeants, à tous nos pères. Écoutez, nous sommes arrivés à l'ère de la mondialisation. Vous voyez les réseaux sociaux? C'est un instrument, un outil que même aujourd'hui, Zelensky, qui est comme ça le président de l'Ukraine, passe à travers les réseaux sociaux pour pleurer, pour demander même l'aide des Africains. Regardez toute la communication de Wang entre la Russie et l'Ukraine là. Il passe par les réseaux sociaux pour communiquer. Les réseaux sociaux sont incontournables aujourd'hui, Perika. Vous allez pas mouvoir la nationalité des gens dans le PEPA. Petit frère, oh le moto, nous qui sommes Camerounais. Vous voyez, non? Et tous les enfants que vous avez mouvement outside à cause de leurs choix politiques, rassurez-vous. On monte, on descend. Si Dieu les garde seulement en vie, ils finiront par revenir au Lekwa. Tout ce qui commence à une fin, petit frère. Oh, je sais pas comment est-ce qu'on a fait pour se retrouver à ce niveau, mais c'est grave. Bisous, mes bébés.
Si vous y allez, qu'on a mouvement mon passeport, petit frère, ne vous inquiétez pas. Je voyage d'abord pour aller où? Mon dernier voyage d'abord, Bachir au Mal, là-bas, à Dubaï.